Bon alors, attention, attention, là, on est en direct du ZEB de Belleville. Le truc, je te dis pas, ça sent le ZEB là-dedans, c'est l'enfer. Et dans 2 minutes, je vais avoir à mes côtés le bateau mes bandes, ça va pas rigoler. C'est parti, le ZEB. Eh ouais les mecs, attention, ils sont derrière moi. On est au ZEB, j'ai le Patomé Band au complet, je dis bien, au grand complet. Ils vont hit the stage dans environ une demi-heure, tu vois le cadeau. Et là, ils nous parlent en direct, hein. Derrière moi, Mr. Bubin. Yeah. Tout au bout là-bas. John. Et voilà, il a frisé, ça, c'est John. Ça que j'aime, John. C'est ça que John. J'aime. J'ai John avec moi, et last but not least, James, you speak French, James? Yes. All right, that's fine. Hey, Pat, super bande, vous êtes chaud comme la braise? Ouais. Ah non, sérieux. Ouais. Près des foyers? Ouais. Ça va chier? Ouais. Bon, alors, on s'était vu au Hellfest, on avait parlé technique. Est-ce que ce soir, vous avez fait l'équilibrage des sons? Ouais. Tout est dans la table de mélange. Tout est dans la table de mélange. Il y a des cylindres en bois là-bas. Ouais. Et puis là, on a pris des transducteurs. Ouais. Ouais. Toi, tu m'excuseras, je te remets ta petite veste parce que... Non, mais c'est pas très grave, c'est pas grave. Ils ont des transducteurs, en tout cas. Ouais. Ce soir, c'est un show à Paris, c'est quasiment exceptionnel. Ah, c'est... C'est The Return of the Phantom Band. C'est le ZEB. C'est le ZEB, on est... Oh. Il est où le ZEB? Et en tout cas, ils sont aux aimes. Ce soir, qu'est-ce que vous nous jouez, les garçons? Sérieusement. On va jouer... Il y a du lion dans la savane. Il y a du lion dans la savane, tous les grands classiques de Patomé. Allez, tout ce qu'on aime. Bon. Croco. Léopard. Vous aurez compris que là, c'est le safari du rock'n'roll à la Celtic comme on l'aime. Et je peux vous dire, Crazy Horses. De toute façon, après, on se regarde à bout du live. N'ayez pas peur, restez sur la chaîne si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Moi, j'avais une petite question là. Là, on fait les malins, tout ça. Mais mon petit doigt m'a dit que vous alliez partir loin, jouer dans une espèce de Bretagne chaude et humide. Vrai ou pas? Ouais, on va aller en Guyane, chasser les papillons. Les mecs, ils vont chasser les papillons en Guyane, le Patomé Band en Guyane. Ouais. Les vaccins sont OK pour tout le monde? Ah bah on est vaccinés. Ouais, on est vaccinés. Hein. Ouais, on est vaccinés. Bon, les mecs sont vaccinés. Attention parce contre que... la fièvre jaune. Oh mais, putain, ça... Mais ça... pas contre les araignées. Ça va chier. Tu vois, je te le disais, tu vois. Les arachnophobes, donc à bien quelles se tenir. Araignées. Attention, le poisson est bon. C'est ça, on va pas parler de ça, moi. C'est pas vrai. On va les laisser parce qu'il y en a un qui allait à la frousse des araignées. Je te dis pas, ça c'est pas très rock'n'roll, mais bon, fais avec. Et voilà, c'est lui. Donc, tournée en Guyane. Ouais. Ça, c'est la grande classe. Et après, il y a de la France avant. Il y a de la France, il y a de la Bretagne, il y a du Lyon, il y a du Belfort. Ah, tu m'as dit, il y a de la France, puis il y a de la Bretagne. Bah ouais. Ah, ouais, bien joué. C'est normal, c'est comme les Anglais quand ils vont tourner. J'en peux plus du Patomé Band, j'en peux plus. France, quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose contre la Bretagne? Mais non, j'ai rien dit. Non, mais attends, tu fais gaffe quand même. Ça part mal. France-Bretagne, en tout cas, vous aurez compris. 3-0, 3-0, 3-0. France-Bretagne, 3-0. Il y a cette grosse tournée en ce moment, mais il y a aussi un truc qui est sorti. Un truc qui s'appelle le Patomé Band avec tous les amis, là. Ouais, c'est le live. Le live. Alors là, jetez une oreille dessus, les petits amis. Il y a quoi dessus? Ah, même deux. C'est oui, deux. Parce qu'on l'a mixé en stéréo. Ah, mixé en stéréo. Vous avez mélangé un petit peu le truc. C'est un nouveau truc. Hein. C'est un nouveau truc, d'accord. C'est nouveau aussi. Je crois que c'est le premier live en stéréo. C'est ça. Depuis longtemps. Ils sont au top de la technique chez Patomé Band. Eh les gars, si vous aviez un petit message pour les fans qui le regardent. Je vous laisse le micro 2 secondes, allez-y. Message pour les fans. Non, pendant qu'ils réfléchissent, donc, vous aurez compris, double album en stéréo avec des titres et des invités, du Pat McManus, du Ron Tal, enfin j'en passais les meilleurs, il y en a partout. Les mecs, c'est gros talent, en plus ils sont plus sympas, c'est compliqué, mais... C'est bon, faut nous la paix. Ah, d'accord. Qu'ils viennent au concert, venez au concert, venez voir les James, les John, les Chris, les... Bah venez au concert, quoi. Allez, je sais que là, ils vont prendre la scène. Eh, tu sais, ils ont frisé, ça c'est de la motion. Il y a une tradition dans le show, faut absolument qu'on crie rock'n'roll. Donc, on récapitule. Tournée en Guyane, en France, en Bretagne. Le double album. Le double album. Live.
allez les voir, et puis et, merci pour la veste. Et des fois, il y a un bagad, des fois, il y a des invités. Enfin, voilà, un vrai show, un vrai spectacle, quoi. Donc, les rock'n'roll. Ouais. Et si vous êtes du côté de Belfort vers le 20 octobre, ouais. allez faire. Parce que là, il y aura un bagad, il y aura Patrick Ronda, il ouais. y aura Diabolo. Diabolo, l'harmoniciste. Il y aura, ouais, il y aura Robert Defer, yeah. le guitariste de Hanche. Ah, Gaston Defer. Non, Robert. Ah, Robert Defer. Robert. Gaston n'a jamais joué dans Hanche, qu'est-ce que tu racontes? Excuse-moi. Il y aura Christian Descamps, le oh, chanteur. Oh putain, la classe. Il y aura son fils, il y aura Tristan. Et là, faut venir nous voir. Faut venir voir les groupes sur scène, c'est ça qu'il faut faire. Soyez des activistes, soyez des rebelles, voilà. soyez engagés un petit peu, résistants du rock'n'roll, bordel. Il n'y a pas que YouTube et puis vos trucs à la con, là, les MP3 et tout. Allez voir les groupes sur scène. Écoute, c'est sûr. Il est d'accord. En masse. Faut venir en masse. Ouais, on vient en masse ouais. et un petit rock'n'roll pour finir, un prends sur la boue du live. Allez, comment 3. On dit rock'n'roll en breton, c'est ça? Tu veux savoir comment on dit rock'n'roll? Ça y est, il va me la refaire, il me harcèle avec ça, il m'appelle tous les matins au téléphone pour me dire Marcus, tu sais comment on dit rock'n'roll? Ben c'est le moment maintenant. Allez, on dit rock'n'roll en breton? Ouais, 3, 2, 1. Rock'n'roll en breton! C'était le pâteau, mes bandes, ça va chier les poings et je peux vous dire que là, le Kouign-Amann, on va le digérer, les mecs. C'est parti, mon kiki! Pâteau, mes bandes! Et pour la Guyane, moi je peux pas venir parce que j'ai paumé mon slip devant. Et tu t'es pas vacciné? Non, pas moi vacciné. Je peux pas me faire vacciner, non. T'es pas vacciné, non, c'est la... Non, je peux pas vacciner, Il est où, hein? Il est où, l'autre? C'est barré. C'est barré? Il en avait marre. Ouais. Bah, en même temps, ça m'étonne pas. On va boire un coup? On va boire un coup. Ouais. Boire un coup. Il reste du vin là-haut, je crois. Ouais, ouais. Ciao. À bientôt. Hein. Attendez-moi, les mecs, attendez-moi. Attends.
Rouge.